Pendant ce temps, en Thaïlande, la mer s'est retirée des ports et des plages. Des touristes curieux se hasardent sur le sable, inconscients du danger. La marée s'est retirée très vite. Mais comment c'est possible? Je n'ai encore jamais vu ça. Puis, sur la ligne d'horizon, un torrent d'écume semble déferler vers les côtes. Regarde ça. La marée remonte. La mer remonte. Regarde là-bas. Les vagues sont vraiment déchaînées. Mon Dieu. Il faut alerter les touristes. Partez! Partez! Courez! Regarde, tous les Thaïs s'enfuient. On doit les prévenir que ça se dirige vers la plage. Partez! Courez! Il faut partir, vite! Ceux qui se trouvent sur la plage sont emportés. En l'espace de quelques secondes, le tsunami inonde les hôtels. En Thaïlande, on dénombrera plus de 5000 victimes. Le tsunami frappe 12 autres pays côtiers de l'océan Indien. Au total, il fera près d'un quart de million de victimes. En Indonésie, la ville de Banda Aceh est rayée de la carte. La vague a balayé tous les bâtiments. Elle a tout emporté et tué beaucoup de gens. Il y avait des cadavres partout. Dans les maisons, sur les toits. C'était la fin du monde. Richa a tout perdu, à l'exception des vêtements qu'elle porte. Pourtant, elle fait partie des plus chanceux. J'ai toujours ma famille. C'est bien plus important que les choses matérielles. Tant que j'ai ma famille, qu'on est ensemble, tout va bien.